Et bonsoir tout le monde, petit switchage d'affichage. Tout semble fonctionner, c'est magnifique, bonsoir à tous, comment allez-vous? Ça fait tellement de jours que j'ai pas live, j'étais en manque, c'était horrible, j'avais des tremblements partout. Oh mon dieu, ça m'a tellement manqué, bonsoir tout le monde. Et cette musique de Mario Kart, attends, j'en veux une autre, une un peu plus joyeuse. Bon, je sais pas si elle est plus joyeuse, mais elle est pas mal quand même. Et bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Salut Megaoflix, salut Super Jario, salut Moussochoco, salut Oli Magic, salut Sanjiard, salut Lucky, salut Eriador, salut Galinois, salut Prof Malcolm, salut LGDM YouTube, salut Matt Pierrot, salut Afne, et un grand merci à Sanjiard qui se réabonne pour la 6e fois, 6 mois de soutien, et bim, le resub de Sanjiard, un grand merci beaucoup, les bisous, merci! Salut Nersing, salut White Wolf, salut Car, salut Vich Game, je zappe 1 million de pseudos, salut Kara, un jour il faut que je réinstalle Mumble, je le ferai. Et Neko-chan qui sera bonne pour la 4e fois, 4 mois de soutien. Merci Neko-chan et bim, le resum de Neko-chan, c'est adorable de ta part. Merci beaucoup, un grand merci. Salut Nokoribi, salut Quentin et Vivas qui sera bonne pour la 15e fois, 1 an et 3 mois de soutien. Merci pour ce soutien de l'infini, Vivas, c'est adorable. Et merci pour tous les conseils sur le jeu. Et les bisous, et bim, le resum. Merci beaucoup Vivas, c'est très très gentil. Salut Benton, hein, salut Patato, salut Darbo, salut Juge Le Vrai, salut Emma Mango, salut Billy Holiday, salut Félix Le 4, salut Ediode, salut Aube du Chaos. Gros problème de débit. C'est-à-dire, J'ai zéro drop. On va voir. Ah là là, gros problème de débit, on va voir ça. J'espère que vous m'entendez bien. Oh là là. J'espère que c'est bon. Et Kara qui sera bonne pour la 19e fois, 19 mois de soutien. Merci Kara. Et oui, je pixelise et normalement on est bon. Normalement là on est bon. Attention, ça revient. J'ai aucun drop, je suis en source. Ok, donc là ça devrait aller beaucoup mieux. En effet, il y a eu une fausse manip. C'est beaucoup mieux. Ah oui, c'est mieux, ah c'est fabuleux. C'est vrai qu'en mettant 200 au lieu de 2000, il y avait un petit zéro qui avait disparu. 200 de bitrate, c'était un petit peu embêtant. En effet, parce que j'étais un bitrate très très bas là, à la Meginasia pour essayer de diffuser. J'étais à 700 ou je sais pas quoi. Et j'ai voulu rechanger en 2000 et j'ai dû écrire 200 à la place. Voilà, hein. Coucou Sajares, salut des connexions. Alors si vous faites time out pendant l'intro quand vous dansez, c'est parce que vous dansez sur 7 km, hein. Faut danser comme tout le monde, faut laisser les autres s'exprimer un petit peu, non mais, bon le vilain. Salut Maeldress, salut Yamimoru, salut Vebud, salut Myrdineska, salut Sao Benoît, salut Marcin Pilami, salut Xanos, salut CKSono, salut Vredes, salut Lorderan, salut Sanolite, salut Nelswin, salut Evenia, salut Loïs Gap, salut Louis Nilourchion, déjà fait, je ne sais plus, salut Mister T-Pop, salut Antares, et nous avons Physique qui sera bonne pour la 14e fois, 14 mois de soutien, merci Physique, des bisous, et bim, le resub de Physique. Bon, vous aviez du drop au niveau de... Enfin, vous aviez de la pixelisation, mais logiquement, vous aviez le son qui passait nickel. Rassurez-moi, vous avez tout entendu, tout ça, les remerciements, toutes ces choses-là. Et nous allons chez Shikamaru Girl qui sera bonne pour la 6e fois, 6 mois de soutien. Et bim, le resub de Shikamaru Girl. Merci beaucoup, c'est très très gentil. Merci beaucoup du soutien, c'est adorable. Mais salut Willy, salut Mandalore, salut Félix le 4, salut Emma Mango. Et nous avons Xanos qui sera bonne pour la 5e fois, 5 mois de soutien. Merci Xanos, c'est très gentil, merci beaucoup. Un grand merci de soutenir la chaîne comme vous le faites. Merci beaucoup, c'est grâce à vous tous. Ça, merci les bisous et bim. Et donc voilà, j'ai vu quelqu'un avec une batte de baseball qui traînait là, hein. Attention, on est tous plein d'amour ici. On n'utilise pas cette batte sanglante, pleine de dédicaces. Et nous avons Trashizard qui sera bonne pour la 14e fois, 14 mois de soutien. Merci Trashizard, des bisous et bim, le resub de Trashizard, merci beaucoup. Yop Moko, Yop Master of Seals, donc je dois remercier Crane et non pas ta gentillesse de ne pas m'avoir kické. Un petit coup pour ta gorge sèche, Crane. Et oui, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir la gorge un petit peu. J'ai beaucoup parlé ce week-end, hein, j'ai pas fait que parler, signer, tout ça. C'était un week-end extrêmement intense, mais c'était vraiment chouette. C'était très très chouette. Salut Ira. Salut Naflot. Et Hagen, du coup, je sais pas si je t'ai dit bonsoir, coucou à toi, salut Junk. Salut Los Mindy. Salut Polo. Salut qui? Salut Grand Thème. Salut Bagabeu. Salut bonjour. Tu as des nouvelles de Star Citizen? On s'est pas appelé depuis longtemps. Et un joli dindon de Red Rum qui nous dit un monde de la masse silencieuse qui te salue. Merci pour tes streams qualitativement excellents. Gros bisous à toi et au chat. Un grand merci Red Rum. Merci beaucoup, c'est adorable. Un grand merci. Salut Cherry Fan. Et un dindon de langue d'œuf et quoi? Comme ça, entre en faisant une dédicace à mon cousin, tu m'as manqué. Sinon, tiens, je te jette 7 euros. Ah là là, ça va, il était jeté gentiment. Merci beaucoup, langue d'œuf. J'ai vu des gens me dire bon anniversaire tout à l'heure. C'était un troll ou c'était vrai? Si c'est vrai, bon anniversaire. Si c'est pas vrai, eh ben non, pas bon anniversaire. Voilà. Salut, j'en étais où, Cherry Fan? C'est fait. Salut Kenshin. Tu es pas trop fatigué, Crane? Oh si. Je vois des noms que j'ai vus pendant la MIA.
Yop le relais, salut Siran. Alors, bien sûr, il y a des gens hein, qu'il faudrait engueuler, genre un certain Khalid qui apparemment est passé samedi et même pas venu dire bonjour, parce que les gens qui ont été dire, les habitués du chat qui ont été dire aux vigiles de venir, ou qu'ils étaient habitués ou autre, et ben je les ai fait passer devant, hein. Suffisait juste de dire un petit message, voilà. Salut Sino Akira, salut Siran, ah là là, les cookies. Salut Dexty, salut Matt Pierrot, salut. Sirumado, et oui, grâce à Siran, j'ai pu manger samedi des cookies délicieux vegan à la noisette. Je m'en suis pas encore remis. Salut Sirumado, salut Gayatri. Salut, c'est moi, Necroxix, nous dire Necroxix. Voilà, c'est incroyable ça, quelqu'un qui nous dit salut, c'est moi, avec le même pseudo que celui avec lequel il écrit. Ou Martin en IRL, je sais pas si tu te souviens de moi. Je t'ai vu vers 15h15 hier, je me montre enfin, bisous, bon live, bienvenue à toi en tout cas, ça fait très plaisir. Et Billy Holiday qui nous fait un dindon de l'infini depuis le temps que je squatte ton stream, il faudrait que je participe. Merci beaucoup, Billy Holiday, c'est adorable, un grand merci. Merci beaucoup, vous êtes trop gentil. Merci également à Romov qui se rabonne pour la 6ème fois, 6 mois de soutien, et bim. Et bim, la demi-année de sub de Romov, merci beaucoup. Un grand merci. Donc je t'avoue qu'il faudrait en plus que je revoie ta tête. Et nous avons Akira Kirkland qui nous dit yeah, bon retour Crane, merci Akira Kirkland, c'est adorable. Merci beaucoup, un grand merci. Merci, vous êtes vraiment très gentil. Toujours à 736 subs. Bah on était à 743, on est passé à 736, ce qui est normal parce que j'ai pas diffusé pendant quelques jours. Mais je vous avoue que je suis agréablement surpris parce que je pensais descendre beaucoup plus que ça. Donc c'est plutôt positif. Et je sais pas combien je suis tout de suite maintenant. Oui, toujours à 736. Salut Kimitsu Kiro. Comment ça? Je suis encore tout hypé. Suite à notre rencontre de samedi, au fait, Peluche Maillard avec Peluche Crane sans son t-shirt. J'ai vu les photos. J'ai pas retweet ça parce que les gens ils comprendraient pas. Mais j'ai vu ce que tu oses faire avec tes peluches. Parce qu'il y a des gens qui ont des peluches de nounours qu'ils appellent Maillard, qu'ils appellent Crane et ils dorment avec. Et des fois, ils leur enlèvent les vêtements et leur font faire des choses. Donc moi, je trouve ça un petit peu bizarre. Mais c'est mignon d'une certaine façon. Salut Kuromega Kimitsukiro que j'ai rencontré avec Mifanvi. Je le dis bien là, c'est bon. Et nous avons Kabal. Ah, je crois que c'est notre premier affichage de réabonnement à 20 mois de resub. Merci beaucoup Kabal. Ah là là, notre modérateur, soutien de l'infini, tout ça, des bisous et bim. Et bim le resub de Kabal. Merci beaucoup. Un grand merci. J'en étais où? Kuromega, salut à toi, j'ai combien de retard? 3 minutes, on est bon. Alors j'explique le principe pour ceux qui sont pas habitués. Nous avons Duke 140 likes qui se rabonne pour la 6ème fois, 6 mois de soutien et bim le resub de Duke. Un grand merci à toi également, des bisous, merci beaucoup. Le principe c'est que au bout d'un moment, si j'arrive pas à suivre le chat, eh ben voilà, je vais pas y arriver. Je y arriverai pas. Et nous avons Sly94 qui se rabonne pour la 9ème fois, 9 mois de soutien et bim le resub de Sly. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors j'ai un souci sur la playlist, on en est à la 467, je vais m'occuper de ça en priorité. C'est quelle playlist? Ça doit être la playlist 3, si je ne dis pas de bêtises. On va essayer de trouver ça. Playlist 3, on va essayer de trouver le morceau 468, parce que j'ai un petit temps d'attente. Voilà, j'étais pas passé par la bonne playlist. Donc ça, Street Fighter, on vient de l'écouter et on va passer, ou on l'a pas écouté, je sais plus. En tout cas, on est sur The Last Remnant. Donc voilà, pour l'instant, j'ai 4 minutes de retard sur le chat. Donc je mets un petit peu de temps à lire les messages. Si j'ai plus de 6 minutes de retard sur le chat, j'utilise une attaque spéciale qui s'appelle attaque face forward qui me fait revenir à jour sur le chat. Donc je risque de zapper quelques messages. Soyez patients, je vous le demande s'il vous plaît. Des bisous et bim. Et bim, Tarenas qui sera bonne pour la 5ème fois, 5 mois de soutien. Merci Tarenas. Un grand merci à tous. Merci beaucoup. Et même que moi j'ai une photo avec Crane et une dédicace, nous dit Rock. Tu nous manques en Belgique, nous dit Yamimoru. Salut Red Dust. Salut Akinol. Et alors j'ai zéro drop de mon côté. Si tu as des coupures, ça ne vient pas de moi. Salut Karim. Salut Dr. Mescal ou Dr. Mescal. Mais oui, go unboxing cadeau Crane, il y a un bonnet. Non, il n'y a pas de bonnet. Salut Pipery. Mais il y a une statuette magnifique. Salut Titeur. Salut Shinji. Oui, je vais très bien. Salut Kael. Salut Elsaria. Tu as réussi à les ramener toutes les pharaons? Non, j'ai pas pu, mais je les aurai bientôt. C'est Seb qui, lui, était pas en avion, qui les a prises et qui logiquement me les ramène au Polymanga parce qu'ils viennent en voiture, je crois. Et du Polymanga, je repars en train et je pourrais les prendre. Et donc Elzaria, je crois que c'est fait. Salut à toi, Crane. Je reste quelques minutes ce soir. Ça marche, Dindin Taco. Maintenant que je sais prononcer ton pseudo, maintenant que je t'ai rencontré, ça va beaucoup mieux. J'ai pu à me poser la question, est-ce que c'est Dindin Taco? Je ne sais jamais. Crane, il y a un vilain monsieur qui dit 8 sur ton stream de la MIA, j'espère que tu l'as brûlé vif. Eh oui, non, je l'ai pas brûlé, faut pas exagérer. Salut Mister Mégafaute. C'était vrai, merci. Bah bon anniversaire Langue d'œuf, bon anniversaire à toi. Salut John Belmont, salut Monsieur Adams, salut Purple Rabbit. Donc XX Magnumi, je sais plus si je te dis bonsoir ou quoi toi. Salut Kainan, salut Pandaro. Alors ensuite.
Alors, bonsoir Crane, salut Miss Hunter Lemon, contente de t'avoir rencontré samedi à la MIA et d'avoir eu tes conseils pour devenir végétarien, même si tu m'as battu au Shifumi. Eh oui, j'étais extrêmement positif au Shifumi, j'ai assis, oui c'est ça, ma domination, la domination du dindon. Non, j'en ai pas fait beaucoup, mais je crois que j'ai fini à 8-2, 6-2, je sais plus. Et salut, donc ça c'est déjà dit, salut, coucou Rory Raymond, salut Saint Max, Made in Asia 2016, 14h01, file d'attente complète et fermée, j'allais me pente quant à 17h30, qui arrive le free hug et la photo avec Crane, ma vie est complète, maintenant je peux mourir en paix, nous dit Sajares. Voilà, du moment que tu floutes pas pendant la danse, tout va bien. Des bisous. Salut donc Magnumi, déjà fait, salut à toi. Salut Crane, désolé encore pour le fromage, j'espère que Seb a bien aimé. Je sais pas, j'espère qu'il est arrivé en bon état. Mais pas de soucis, mais ça m'a fait plaisir quand même, hein, t'étais pas censé savoir. T'as le bonjour de mi fin de vie, nous dit Julia Bakour, ah bah les coucous. Salut Rafa, Raf et Megaoclick qui nous fait un joli dindon, je suis triste, j'ai pas pu venir à la Made in Asia. Ah là là Megaoclick, j'espère une prochaine fois. En tout cas pour moi c'était très intense, c'était pas trop dur, tes nuits à l'hôtel. Bah la première nuit j'ai dormi dans une salle de conférence parce qu'il y avait plus de chambre et qu'ils s'étaient trompés. Voilà, c'était génial, c'était absolument fabuleux, mais la deuxième nuit ils m'ont trouvé une chambre quand même, donc c'était mieux. J'ai mal vécu la première nuit, hein, je vous le cache pas. Et en plus il y avait des cadeaux pour tout le monde, et c'était des boîtes de chocolat, et ils avaient fait un cadeau pour Maillard et moi. Un cadeau pour nous deux. Donc je sais pas, on devait se tuer pour savoir à qui allait le cadeau. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Mais bref, c'est pas grave. Seconde division, tout ça. Salut Calgary, salut Rock Jumplou. Mais sinon ils ont été très très gentils. Les bénévoles ont été fabuleux. Ça s'est vraiment très très bien passé à ce niveau-là. Salut Exarlius, quand tu as su garder ta bière de pomme ou Shin te l'a piqué. Alors normalement il me l'a mise de côté, hein. S'il me la pique, je vais me fâcher tout rouge. Non mais ça fait très très peur quand je me fâche. Je suis hyper flippé, vous avez pas idée. Salut Rico Angel, bon appétit en retard, nous dit Eva Mangon, oui mais merci. Merci pour ta dédicace, nous dit Kenshin Melori, hein, Melori. Salut Webud, salut Tornaclona, salut Keta, tu as l'air d'avoir passé une bonne convention, très bonne, oui les conventions me manquent, je veux revoir Crane et la team aventure, nous dit Nekuchan. Bon allez, je passais juste pour faire un petit bonjour, et bien à plus Myrdineska. Bon retour de la MIA, des bisous à toi aussi. Salut Sarah Ben, alors j'en suis où? J'en suis à Fanny Panda, coucou à toi, j'espère que tu t'es bien amusé, je suis ultra déçu, j'ai appris hier soir qu'une amie allait au salon d'art créatif juste à côté de la MIA et j'aurais pu y aller avec elle. Oh là là, la prochaine fois, je t'enverrai la recette des cookies, nous dit Sierra. Oui, mais c'est pas pareil si c'est pas toi qui l'ai fait. Tu vois, il y a tout. Hein, si c'est moi qui l'ai fait, c'est pas pareil. Et nous avons DJ Mopo qui nous dit coucou Crane, te rappelles-tu de mon pseudo compliqué finalement, mais oui, je m'en souviens. J'ai cassé la gueule à Kalitz. En fait, Crane, il a voulu forcer le passage pour la dédie. C'est donc ça, parce que genre, again, t'étais là et t'es pas venu non plus. Très crédible. Et un dindon de Lucky qui nous dit, car j'avais un comportement de drogué en manque de sa dose de son stream. Merci à toi pour tout ce que tu fais. Et ben merci à toi pour le dindon, Lucky, c'est adorable. Un grand merci. Merci beaucoup. Non mais je t'ai déjà dit bonjour docteur Mascal, faut arrêter. Antares qui sera bonne pour la 13e fois, 13 mois de soutien. Merci Antares, des bisous à toi et bim le reçu. Merci beaucoup. Yep. J'ai combien de retard? J'ai 6 minutes, oh mon dieu! Et Elven qui se rabonne pour la 4ème fois, 4 mois de soutien, j'allais dire 4 mois de retard. Merci beaucoup Elven, merci beaucoup les bisous et bim le resub de Elven, voilà, merci. Coucou Vilain Belge, voilà Vilain Belge par exemple qui est venu m'apporter une bière et qui a, comment s'appelle, qui n'osait pas venir au départ. Et puis Mazaki qui se rabonne pour la 6ème fois, 6 mois de soutien, merci Mazaki, les bisous et bim le resub de Mazaki. Du coup j'ai pu m'éclipser quelques instants pour aller faire un coucou à Vilain Belge. Oui, on sait, c'est mes fans qui t'a traumatisé, mais complètement. 6 mois de sub pour 6 mois de pur bonheur, merci. Bonsoir, Crane et Plop le chat. Coucou, Homof. Et salutations, yop, Maxpot. Crane, mise de rien, tu es super grand sur la photo où l'équipe d'aventure pose de façon Tsukushi. Mais je suis pas petit, je suis pas grand non plus, mais je suis 1m80, quoi. Et Pandrago, 1 qui se réabonne pour la première fois. Premier abonnement, tu deviens donc un membre confirmé de la Glou Family. Tu rentres dans la confrérie du dindon et bim, le resub de Pandrago. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci beaucoup, des bisous. Yop, Crazy Levy. Coucou Sky Sensei. Hey Crane, t'avoir vu sur la Emiya et t'avoir battu au Shifumi, c'était le plus beau jour de ma vie. Oh mon dieu, tu fais partie des deux personnes qui m'ont battu au Shifumi, Arjof. Deux personnes, je crois qu'il y a un gars et une nana qui m'ont battu au Shifumi. Donc salut Lucky Luke, salut Girdil, salut Elima Vince, salut Captain Poom, je sais plus si je l'ai déjà fait, salut Etel Crowley. Bonsoir Crane, salut Gonel, tu as loupé mon resub durant ton réglage, c'est mon 3ème mois, et bah merci beaucoup à toi, et bim le resub de Gonaël, merci beaucoup, c'est très gentil. Crane, tu montreras tous tes cadeaux? Oui, ils sont juste à côté. Crane, il y a un décalage entre le son et ta voix et ta bouche qui bouge, mais apparemment pas pour tout le monde, c'est bizarre. Salut Mister Grasscore. Moi aussi j'ai une photo de Bob avec une fessée. Et oui, salut Soirlyville. Salut Kamehameos, yop Galixef.
Tu as l'air légèrement fatigué. Oui, mais je suis heureux. Je suis fatigué, mais heureux. Crane, tu m'as manqué, c'est mignon. Salut Taika. Crane, par contre, à 17h30 et même avant, pas vu de Bob Lennon, il est parti. Il est parti plus tôt, lui. Il a pas pu dédicacer le dimanche après-midi, il avait son train plus tôt. Salut Kalong. Salut Almist. Un plaisir de te retrouver. J'ai adoré les photos de Post-Tokusentai de la MI. Ah, c'était génial. Bah, merci beaucoup. Oh, le retour du Crane. Coucou, tu m'as tellement manqué. J'avais un vide en moi. C'était bien la MI. Ah, c'était fabuleux. C'était fabuleux. Salut Black Eagle FR. J'ai surtout adoré, en fait, les quelques minutes de fin. Bon, j'ai aimé tout le moment. Mais juste à la fin, en fait, on a lâché prise. Enfin, on avait une heure de battement. C'était la première fois qu'on avait une heure de battement du week-end. Et ça nous a permis d'aller discuter directement avec les quelques personnes qui restaient. Mais c'était tout détendu. Tout bien, ça a permis de lâcher la pression, c'était vraiment très très agréable. Mais même si c'était très sympa aussi de discuter avec tout le monde lors des dédicaces, mais les dédicaces, on a toujours une petite contrainte de temps, on essaye de rendre ça le plus humain possible, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette petite frustration de se dire ah, on peut pas se poser, discuter un petit peu, et tout à la fin de la convention, on a pu discuter, c'était très cool. J'étais le chat bizarre tout blanc samedi. Ah, c'était donc toi, Yelly Moreau. Tu m'as manqué, ah, mais j'aimerais tellement te voir en vrai, nous dit Woody, mais un jour ça arrivera peut-être, salut Damstein. Crane, prochaine MIA, je prendrai ma photo de Bob Neko, nous dit Dintako. Salut Crane, top la MIA, super Kanjamish. Bonjour Kirill avec 2L. J'ai combien de retard? J'ai 6 minutes de retard, on est toujours à la limite. Je ne suis pas à 7 minutes, je n'ai pas le droit d'utiliser mon attaque fast forward. Bonsoir Mandalore Fett. Crane live, je suis tellement triste de pas t'avoir vu. Ah là là, langue d'œuf, quelle déception. Comment as-tu osé? Non, ce sera pour une prochaine fois. Pour une prochaine fois. Salut Edin, comment allez-vous? Bah ça va bien. Salut Mikiran. Yop, Desferia, ça fait du bien de revenir sur le stream de Crane. Mais oui, moi ça m'a manqué aussi, ça m'a manqué. Cette année, c'était bien la Made in Asia à Vru. Bah moi, j'ai pas visité la Made in Asia, je vous le dis clairement, j'ai pas été voir les stands, aucun, j'ai pas eu le temps. Et par contre, nous, on avait un hangar pour les gens, pour les dédicaces, et ça s'est hyper bien passé. Salut Jesus, Crane, on te parraine en bière, en fait, va faire un partenariat stream financé par les marques de bière. Pourquoi pas, mais ça fait un peu incitation à boire de l'alcool. Ah ça y est, j'ai 7 minutes de retard, c'est l'heure d'utiliser l'attaque fast forward, donc je vais zapper 7 minutes de message, je suis horrible. Je suis absolument horrible, n'hésitez pas à réécrire votre message si vous m'avez dit bonjour. Bah un petit bonjour à vous, des bisous, et ça va permettre de ne pas avoir un retard de la fini. Salut Kawabunga. Crane, où sont tes oreilles, Kawaii? On m'a forcé. Tu feras ira la Japan Touch à Ukraine? Je sais pas du tout. Faut voir les dates. Je sais pas du tout. Peut-être en balader tout simplement. Salut Foxroll. Crane, as-tu pu dormir correctement? Pas lié ta première nuit dans une salle de conférence. La deuxième nuit, j'ai pu dormir correctement. Gamer Xion qui lui dit coucou Crane, je vous ai vu de loin à la MIA, mais j'avais un peu la flemme de faire la file, il y avait trop de gens. PS, très belles vos pauses, merci beaucoup. Ouais, il y a des gens qui ont fait 6 heures de queue hein, pour certains, c'est quand même absolument énorme, hein, c'est incroyable, hein, juste pour pouvoir parler un petit moment avec nous, ça nous touche énormément, je sais pas si on mérite ça, mais en tout cas, merci beaucoup à vous, vous êtes adorables, merci beaucoup. Salut Tarbet. Alors, il y a des gens qui m'ont dit d'aller voir ce qu'était alors, c'était quoi? Les vidéos, j'ai été voir sur le retour et ce qui était un tout poutou, je sais pas quoi, un truc comme ça. Et nous avons Deadrax qui sera bonne pour la 15e fois. 15 mois de soutien, merci Deadrax et bim le Russ. Merci beaucoup Deadrax, c'est adorable. Un grand merci pour ce long soutien. Enfin, je dis des gens, je vois tout à fait qui c'est. Et on m'a dit que je ressemblais à un tout poutou. Et j'ai été voir une vidéo et c'était la vidéo de les tout poutous qui accueillent un nouveau membre. Et le nouveau membre arrive et ils lui mettent des coups de raquettes de tennis et ils l'accrochent par les pieds. À quel moment je ressemble à ça, hein? Va falloir m'expliquer, il me faut des explications tout de suite. Ça ne va pas du tout. Il suffisait de demander au vigile, je t'ai vu de loin. Et oui, Rosato. Dites, il y a des gens qui aimeraient rencontrer Crane et l'équipe d'aventure et qui habitent dans la région de Montpellier, car le 30 avril, au point même à Montpellier, il y a une convention, le Mang Game Show. Ce serait génial si l'équipe d'aventure y était invitée. Et bah, faut que la convention nous envoie une demande et en fonction de si on peut ou pas. Voilà. Salut Novice, il a 7 minutes pile et il skip. Et oui, Saena, 7 minutes, c'est le skip, c'est comme ça. Crane 1m80, je fais 1m50, que dois-je dire, nous dit Akira Kirkland. Ah non, Crane, le malaise, c'était surtout que j'ai donné la bière à un bénévole pour qu'il te la passe et il se trompe et va la donner à Maillard, le malaise. Ah oui, ça arrive. C'est pas la seule chose, hein. Il y a des gens qui ont donné. En fait, Bob, quand tu fais passer des trucs à Bob pour qu'il les donne, il les redistribue au pif. Donc le dessin où c'était moi tout nu qui courais dans la forêt. On n'en parlera pas. Et bah, il l'a donné à Maillard. Il s'est dit, tiens, c'est pour toi. D'accord. Prends un dessin de Crane tout nu dans la forêt. Voilà. Oui, des fois. Voilà. On ne s'étendra pas sur cette affaire.
Merci pour ton accueil. Et hier nous dit Talking Stone, l'homme au chapeau poulet. C'était donc toi, j'ai vu la photo sur Twitter. Crane, tu feras le TGS. Bah on l'a fait l'année dernière, donc probablement cette année. Crane, tu fais jamais de tourisme dans les villes où il y a des conventions. Bah ça voudrait dire avoir le temps de faire du tourisme. Hein. J'ai même pas le temps de visiter la convention elle-même, donc bon. Par contre, j'ai goûté un Hippocras sur la fin. Il y avait un stand de dégustation d'Hippocras à la fin de. J'ai gardé la carte et je suis extrêmement déception parce que. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait de la carte? J'espère que je l'ai pas paumé. Parce que là je la vois pas et ça m'inquiète. Ah si non elle est là. La cave du troll. Fabrication et vente d'Hippocras, boisson médiévale, tout ça. La cave du troll. 176 rue de Baumel. Je sais pas. À Flamur, en Belgique. Bref, ils m'ont fait goûter leur Hippocras. Et il y avait j'ai demandé quels étaient les Hippocras vegan ou pas, parce que je me demandais s'il n'y avait pas du miel ou des choses comme ça, et ils en ont sorti deux, et ils m'ont fait goûter les deux, un blanc et un rouge, et l'Hippocras rouge était juste l'un des meilleurs Hippocras que j'ai bu de ma vie. Et je lui ai dit, je veux en prendre, je veux que tu m'en envoies en France, et il a dit oui pour le moment, on n'envoie pas à l'étranger, tout ça, j'étais tellement déception, je peux pas en ramener, on me fait goûter le meilleur Hippocras de ma vie, et on me dit tu peux pas en avoir, c'est juste horrible, c'est de la torture. Et nous avons Azélia qui nous dit bonjour. Je sais pas, c'est tout, voilà, bonjour Azélia. Dans une salle de conf, Crane, tu as dormi sur quoi? Ils ont pris un lit qu'ils avaient et ils l'ont mis dans la salle de conf, et puis voilà. Bonsoir Loanam. Crane, je suis dégoûté avec leur système de merde, je n'ai pas pu vous voir. Ah là là, Neutra. A vous Crane, mi fan, t'as fait peur avec sa pancarte, sinon tu as le pouvoir de réussir et me faire rougir et bafouiller, qui me met hyper mal à l'aise quand je traînais près des barrières. Mais ça va, n'exagère pas, tout s'est bien passé. Crane, honnêtement, c'était une bonne expérience, c'était un peu limite. Quoi donc? Parce que la MIA, c'était absolument génial. C'était limite moins stressant que les autres conventions. Les bénévoles ont vraiment fait un super travail au niveau de la gestion des flux. Après, on sait toujours qu'il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils peuvent pas passer, mais on peut absolument rien y faire, c'est des limites humaines. C'est le truc un peu embêtant, mais par contre la partie rencontre de la communauté, c'était génial. Juste le fait de pas avoir eu de chambre le premier soir, qui était un peu dommage. J'ai galéré pour manger, ça a été vraiment embêtant. Heureusement, le samedi soir, ils sont tous revenus avec plein de sacs de nourriture et ils ont dit désolé Crane, on n'a rien trouvé pour toi. Et du coup, il y a l'hôtel qui a été gentil, qui m'a trouvé un restaurant indien quelque part, on a appelé, ils ont réussi à me faire des trucs vegan, ils m'ont donné un plan de la ville, ils m'ont fait un tracé de la route, j'ai dû me balader à 23h dans les rues d'une ville que je connaissais pas, j'ai été chercher à manger, je suis revenu et j'ai pu manger, et limite j'ai mieux mangé qu'eux. Donc voilà. Salut Lianyu. Tu as vu le tweet avec l'affiche aventure où Fred a dessiné une petite fille pour dire qu'elle est vivante? Oui, et avec la réponse derrière pour dire je sais plus quoi, il y a eu une re-réponse derrière. Mais non, elle est morte. Trop contente d'avoir pu te voir la MIA et voir ma photo avec toi après 5 heures d'attente, nous dit Lilvina. 5 heures d'attente, quoi. Vous êtes fous. Désolé Crane, je viens d'arriver, mais du coup, qu'est-ce que tu penses de la MIA? Bah très bon moment, très très bon moment. Et salut à toi The Powerful Rabbit. Mais Crane, il fallait dire sur Twitter que tu laissais passer les gens de la communauté. Bah moi, j'étais pas spécialement au courant, mais ça a pu se faire faire. C'était pas une directive, c'est juste qu'il y avait des gens qui disaient oui, il y a telle personne qui vient, et ils ont réussi à venir me donner les messages et je pouvais faire passer les gens. Mais c'était pas une directive, c'était pas un truc établi. Et je peux pas en faire un truc établi, parce que sinon ça y aurait des débordements. Personnellement Crane, je me suis ennuyé à la Mélinasia, désolé de pas avoir... passer te voir, le seul point positif c'est que j'ai découvert la glace solide amande en rentrant chez moi. Ah, je connais pas. Oui, Crane, c'est dans l'émission. Avez-vous déjà vu? Oui, c'est ça, Nokoribi. Non, mais qui a dit que Crane ressemblait à Tuputu? Je ne donnerai pas de nom, même si ces deux personnes, voilà, m'ont apporté des choses fabuleuses. On se demandait avec Antares si tu avais des toilettes et une cabine de douche dans ta salle de conférence chambre. Alors non, j'avais pas, et par contre, je pouvais sortir et utiliser les toilettes de l'étage donc c'était... Non, c'était pas bien. C'était pas bien, il faut pas se mentir. Et Rejetalion, par contre l'hôtel était génial. Le soir où j'ai eu la chambre, après c'était fabuleux. Rejetalion qui sera bonne pour la 5ème fois, 5 mois de soutien. Et bim le sub de Rejetalion. Un grand merci à toi, des bisous, merci pour le soutien. C'est adorable, merci beaucoup, salut Alstefried. Nickrange, j'ai une question un peu chiante, mais quand tu as fait ton retour sur le dernier live d'aventure, tu as dit que les autres joueurs aimaient se mettre en avant car ils sont youtubeurs. Je sais que tu l'as dit sans offense envers eux, bien sûr, oui, tu te présentes un peu différemment. J'aimerais juste comprendre la différence entre eux et toi, car mine de rien, tu es pareil au quotidien car tu dois intéresser une foule. Oui, non, mais moi je suis pas dans la recherche. Je suis pas dans la recherche de bons mots, de travail de l'image ou toutes ces choses-là. Je suis pas en train de dire que c'est ce qu'ils font. Enfin, inconsciemment, c'est des créatifs qui doivent comment ça s'appelle, qui ont des attitudes de youtubeurs.
youtubeur. Je suis pas youtubeur, moi. Moi, je suis juste là en live où je suis moi-même, où je discute, ou ce genre de choses. Donc, eux, ils ont pris plus une habitude de dire ah bah là, j'ai le petit mot qui va faire rire, ah bah là, j'ai ci, j'ai ça, parce que c'est des gens créatifs, c'est des gens talentueux. Et c'est vrai que de temps en temps, c'est un côté qui est plus individuel. Et se rappeler le groupe, c'est plus difficile pour des gens qui sont peut-être habitués à avoir cette attitude de plus solitaire, plus individuelle. C'est ce dont je voulais parler. Alors attendez. Hop, hop, hop. Apparemment, il y a plus. Non, on est tout bon. Il n'y a plus le décalage. Il n'y a plus tout ça. Non, je comprends pas vraiment le décalage sur Twitch. Kren a dormi avec Maillard. Non, j'ai pas dormi avec Maillard. Non. Salut Elwina. Kren. Tout est mignon, d'accord. Craigne-moi 14 ans le samedi, mais le dimanche, j'ai sprint pour avoir la dédie de tous, nous dit Joe. Craigne, alors ce public belge, très sympa, extrêmement sympathique. Est-ce qu'on peut voir la figurine d'Orbots? Oui, bientôt. Craigne, t'as pas compris, il s'agissait pas de Toupoutou, mais de Lipoutou. Non, pas Lipoutou, dis pas des choses comme ça. Ça, c'est maudit, je crois, non. Je vais me faire taper. Yop, Discord. Craigne, est-ce qu'on peut. Oui, mais vous allez l'avoir, mais t'arrêtes de flou de Yimoro? Ça suffit là. Oh, non, mais. Non, c'est moi qui ai lu deux fois ton message. Non, j'ai plus. Car tu. Ça a dû faire plaisir à Maillard. Ça craigne quoi donc? C'est craigne tout nu dans la forêt. Ah oui, non, c'était ça. J'ai combien de retard? Ah, j'ai 5 minutes, mais j'y arrive pas. Vous parlez trop. Non, vous parlez jamais trop. Continuez, ça me fait plaisir. Salut, Mr. Vortex. Craigne, c'est quoi cette histoire de dessin? Craigne Boba, et peut-être une intention cachée en donnant ce dessin à toi tout nu à Maillard. Peut-être. Salut, Gilano. Je sais qu'il y a pas qui a parlé du manga game show, mais ce serait super cool. Et bah, on est. Je sais pas. C'est dans la passe sur craigne tout nu, c'est ça. J'étais ravi de ma distribution random de fanart de Nintaco. Je vois ça. Oui, Bob qui te passe une bouteille en plastique à Crane, et en fait c'était du Morito pour Maya. Mais oui, j'ai pas compris. Moi, quelqu'un me passe une bouteille d'un truc tout transparent, mais fait maison, donc ouvert, et dit c'est pour toi, tu sauras ce que c'est. Mais j'ai pas compris, ça faisait hyper flipper. Crane, tu ressembles à une personne dans une émission de télé où il recherche des maisons à part. L'homme en question était marié, avait rencontré sa femme sur World of Warcraft. En fait, il m'a fait penser à toi. Ensuite, je me suis rappelé qu'il n'y avait pas de live ce week-end, dur. La cave du troll, c'est ça. Wait, Crane, mais quelqu'un a fait un dessin de Crane tout le. On n'en parle pas. C'est quoi un hippocras? Hippocras, c'est une boisson médiévale à base de vin et d'épices. Par contre, Crane, j'espère qu'on peut mettre la photo faite en public. Je l'ai mise sur mon Facebook, obligé, mais n'hésite pas. Yop, Megatron, tout. Et encore merci pour les bières. Bonjour, Crane, merci pour la MI à samedi. Nemo de Lila, merci à vous. C'était génial. Au fait, Crane, ça a été pour la navette car on avait un peu peur que tu la rates. Super d'avoir pu te voir deux fois en délit à 13h le dimanche et le dimanche à la fin. Oui, on l'a eu, il n'y a pas de souci. On est arrivé bien, même si ça a été la grosse galère au niveau du taxi. Le taxi a été hyper efficace. On est arrivé pile à temps, mais il y a eu une circulation, vraiment on n'avançait pas. Tu dois connaître la mandragore sur Lyon, Crane, bien sûr, Edgos, bien sûr. Les vegans refusent le mien, et oui, maître Sega. Salut Taranis, Crane, j'espère que vous avez aimé les cadeaux que je vous ai apportés. As-tu goûté l'hippocras que je t'avais offert? Non, parce que j'ai pas pu ramener la bouteille dans l'avion. C'est Seb qui l'a et qui doit me la ramener, ou Fred, et qui doit me la ramener au Polymanga. Ça, c'était la mauvaise surprise, malheureusement. Mais faut pas qu'ils nous fassent venir en avion. Hein. Moi, je pense que, un, ça leur coûte plus cher, parce que là, j'ai dû faire des feuilles de frais de taxi. Et pour rentrer en taxi de la gare avec Maya, bon, c'était pour deux personnes, on en a eu pour 99€ et 70€ à l'aller. Donc voilà, donc je vais leur envoyer les factures, tout ça pour qu'ils remboursent, mais je suis pas convaincu que et le prix du billet d'avion et le prix du taxi ce soit rentable par rapport au billet de train, et c'est même pas rentable niveau temps parce qu'on est obligé d'arriver longtemps en avance, aller à l'aéroport c'est long, tu dois attendre une heure sur place plus le temps de voyage, alors qu'en train c'est direct et c'est 3h25 quoi. Tu manges pas de vomi la veille. Salut aussi gamer. Salut Sky Black. Si tu veux Crane, je vais sûrement aller à Grenoble pour les grandes vacances, je peux passer à Lyon et t'en apporter. Ah, mais comment on essaye de me soudoyer. Quand tu reviendras en Belgique, Crane, je te ferai goûter l'hippocras de la chaudasse, nous dit Airdrop. Merci Crane pour le dernier câlin. Avant une partie hier, ça a été l'avion retour, c'est très bien passé. Bonsoir Crane, j'ai fêté mes 19 ans hier et ben bon lendemain d'anniversaire à toi, JC. Le tirage au sort bof quand même. Bah oui, mais c'est malheureusement, on n'a pas de bonne solution. Le matin, c'était une file d'attente et l'après-midi, c'était le tirage au sort. Si vous avez une solution qui met tout le monde, qui rend tout le monde heureux, je suis tout à fait preneur. Hein. Coucou Crane, combien sur 10 les cosplays chez nous? Je sais pas. Je dois avouer que j'ai pas vu beaucoup de cosplays comparé aux autres conventions. Mais vu qu'on en était dans un entrepôt à part, voilà. Il y avait une Alice toute mimi. Ah mais j'ai compris qu'à Bâle, en fait, les gens ils pensent que Crane ressemble à cette Toupoutou là. Ah, j'ai peur. Avez-vous déjà vu un imposteur au pays des Toupoutous? J'irai voir après. Salut Chéline, ça va, j'ai dit plus photos de Bob sans faire la file, nous dit Cyril Hanouka.
Crane, ah, tu vois que tu as visité un peu. Comment ça, j'ai visité un peu? Ah oui, dans le taxi. Bonsoir, Crane, bonsoir tout le monde, salut Nathan. Ah non, quand j'ai marché à pied, je sais plus à cause du retard. Mais j'ai déjà 7 minutes de retard, mais j'y arrive pas, je suis obligé de réutiliser mon attaque ce soir. Vous êtes intenable ce soir, vous êtes intenable. Bon, je remonte un petit peu quand même. Crane, est-ce que tu as reçu des cadeaux vraiment what the fuck? À part un dessin de moi tout nu. Non, et puis c'était un clin d'œil à un truc qui s'était passé sur le live. Est-ce que j'ai reçu des cadeaux what the fuck? Non, pas j'ai reçu des non, tous les cadeaux étaient plutôt bien ciblés. Pas de cadeau hyper what the fuck, non, je sais pas, je réfléchis, mais comme ça non. Un cadeau what the fuck tellement il était beau, mais ça c'est autre chose. Salut Xeros. Yup, Daxki, je suis l'une des dernières personnes avec qui tu as pris une photo samedi soir et je tenais à te remercier, toi et Maillard, d'avoir pris plus de temps pour tes fans, ça m'a fait plaisir. Bah, merci à vous. Merci à vous. Et personne ne complimente Crane sur sa coupe. Non, mais c'était déjà. Bref, Crane, quel cheveux, c'est. D'accord. Crane, je suis jaloux, tu seras poli manga. Il y a l'auteur d'Aka Mega Kill, l'un de mes mangas favoris, nous dit Shedin. Ah, c'est toi la coiffeuse. Crane, à mon avis, ils ont pensé à votre confort avant le prix que ça pouvait leur coûter. Non, mais c'est horrible. Je suis désolé, les vols en avion, se taper le taxi, l'attente dans l'aéroport, les vols qui sont des vols low cost où t'es mal installé, bien plus mal installé que d'un train, à quel moment c'est mieux que le train? Je sais pas. À mon avis, le train, ça revient moins cher. Tu peux voyager en première vu qu'il y a des réductions qui fait que la première est quasiment équivalente à la deuxième. Et t'es pendant 3h25, tu peux sortir ton PC, tu peux faire des trucs et t'es bien installé. Non, je vois pas quel est... Et l'avion, ça pollue énormément, quoi. C'est quand on peut éviter l'avion, autant éviter l'avion. Mais bon, ça, c'est un détail, c'est pas très très grave. Hein. J'ai aucun reproche par rapport à ça. Je dis juste que la prochaine fois, moi-même, je proposerai parce qu'eux, ils ont pas pensé que ça, ce serait plus intéressant. Par contre, là où je reproche, oui, c'est la chambre d'hôtel, c'est le cadeau qui a été offert, un cadeau pour deux personnes, ça se fait absolument pas. Bref, mais c'est pas grave. Cette nouvelle coupe, c'est si rafraîchissant, c'est merveilleux, nous dit Pandao. Salut Malo Lafla. Salut Crane, tu vas jouer. Yop, Kanjin, je ne sais pas. Pour l'instant, on discute. Pour la solution qui rend tout le monde heureux, Crane, t'as eu qu'à utiliser multiclonage. Exactement, Yekaona. Yop, Insomniac, cette émission-là s'est bien passé. Très, très bien passé. Très, très bien passé. Tu finis Dark Souls ce soir? Non, je pense pas. Bonsoir, Crane. Salut Serena. Je suis un peu crevé, hein, donc je pense pas que je vous ferai un live de l'infini ce soir. On est bavard parce que tu nous as manqué, nous dit Nekucha, mais vous m'avez manqué aussi. C'était dur. T'as perdu la main avec 3 jours sans stream, c'est ça, Rory Raymond. C'est ça. Crane, pour moi, j'ai pu passer car j'avais droit à la file pour les handicapés pour passer devant vous. Ah là là. Bah, tu as bien fait. Tu as bien fait. Crane, un jour, les nains gouverneront le monde de notre roi et notre roi sera Gurdil. D'accord. Oui, Crane, ce soir, on est déchaîné, nous dit Nekucha. Je vois ça. Tu pourrais nous montrer les cadeaux que tu as reçus, mais oui. Par contre, je suis triste, Crane, j'avais une sculpture de dindon pour toi, mais la peinture n'était pas sèche, pas pu l'emmener. Alors, la prochaine fois, garde-la bien précieusement. Et j'ai aussi aimé Eden et surtout Gloobilly, elles sont belles, Crane, nous dit Megatron 2. Et oui, je les avais emmenées, personne ne me les a piquées, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Dites les gens qui. Il y a des gens qui aimeraient rencontrer Crane, l'équipe d'aventure, et qui habitent dans la jeune Montpellier, car le 30, il y a le Mang Game Show. Mais comment tu insistes? Mais tu as raison, il faut contacter les conventions et que les conventions nous contactent derrière. Crane, un cadeau pour deux? Bah oui. Crane était sans pantalon, elle est mise. Mais non, il y a des gens qui ont voulu, hein, qui m'ont dit oh, on est samedi, faut que t'enlèves ton pantalon, tout ça. Mais non, absolument pas, absolument pas. Il me semble que Maudie est revenue ce week-end. Non, elle revient le 23-24 avril, quelque chose comme 24 avril, je ne sais plus. Quand je suis à la Neocast à Strasbourg. Super, super. J'essaierai de rentrer plus tôt, je pense. D'accord, Crane, j'ai compris, merci au passage. J'ai sorti ma première vidéo YouTube et j'ai eu plein de retours positifs, même de la part de gens que je connais pas. Donc je suis super content. Bah, GG à toi, Xarlius, continue. Continue. Crane, oui, c'est Bob qui a marqué que les morts ne parlent pas. C'est ça. Salut Tsuyo, je vois un cadeau dans le coin derrière Crane, on peut voir monsieur, j'ai sorti mes chips et mon jus de pamplemousse. Non, il n'y a pas de cadeau que tu vois dans le coin derrière, tu mens. Bon Crane, si tu es sage, tu auras le droit à un cadeau. What the fuck au Geek Ferries, c'est le moment de faire la liste au Papa Noël. Il était en pantalon et je le trouve grand, notre Crane, nous dit Megatron 2. Il n'y a pas à dire dessiner devant les lives de Crane, c'est le pied, nous dit les Espices. Bon allez les cadeaux, les cadeaux. Alors, nous avons... Ça, j'ai essayé de vous le montrer désespérément. Je suis tellement déçu de pas avoir pu live. Vous avez vu un Maillard et un Bruce furtif samedi, mais c'était impossible. C'était impossible de live avec la connexion. Pourtant, ils ont une grosse connexion. C'est juste une connexion qui a plein de micro-coupures. Donc, il y avait 50 mégas ou 30 ou 50 mégas de upload, ce qui est absolument énorme. J'aurais pu streamer en 1080p. Nous avons Anaïa qui sera bonne pour la 8ème fois. 8 mois de soutien et bim, le resub de Anaïa. Merci beaucoup, c'est adorable. Un grand, grand merci à toi. Mais vu que ça, il y avait des micro-coupures, impossible de streamer. Salut Crane, j'étais sur le tweet d'une manière au moment où il a montré sa photo avec sa casquette. Car ouais, j'ai fui et me voilà. D'accord. Coucou à toi, bienvenue. Enfin, bienvenue. Salut quoi. Voilà. Alors nous avons
Nous avons un petit porte-clés tout mignon. On va commencer par le petit porte-clés. Il est quelle heure? Il est 21h43, il n'y a pas d'agrabuit pour me dire de voir monter. Quelle déception, tout se perd. Donc ça, c'est des porte-clés qui ont été faits. Où il y en avait eu un pour chaque membre de l'équipe. Et moi, je le trouve hyper mimi. Voilà. Hop. Donc avec mon petit bras métallique à côté. Voilà. Il est tout mimi. Et bien sûr, le joyau. Le cadeau qui dit comment une personne peut passer autant de temps et faire quelque chose d'aussi chouette pour quelqu'un qui connaît pas vraiment. Voilà, attention. The cadeau of Doom of Apocalypse. Et je mets du coton partout. Attention, devant vos yeux ébahis, il est là, Grunlek. Une statuette de Grunlek faite par le grand, l'incroyable et l'inénarrable Rombots, le dessinateur qui nous fait les fanarts de folie d'aventure. Puis elle est grande, hein, regardez à côté de ma tête, c'est pas du foutage de gueule, hein, sculptée et peinte par ses mains, par ses petites mains. Regardez-moi ça, c'est juste splendide. Voilà, ça a attisé la un petit Rombots derrière, attendez, derrière le doigt, hop, il est là. Ça a attisé la jalousie, la convoitise, oui, je sais plus. Seb était extrêmement jaloux. Non, je pense que j'ai eu le plus beau cadeau de toute l'équipe. Hein. C'était vraiment incroyable. Non pas que les autres cadeaux étaient moins bien, hein, je suis désolé, mais il faut quand même avouer que quelqu'un qui passe une semaine complète, il m'a montré les étapes de la création, les photos, tous ces trucs-là, pour te faire ça, c'est quand même assez insane. Et Kael qui nous dit, ce fut un plaisir de te voir, la MIA, j'espère qu'on t'y reverra. Merci beaucoup à toi, c'est très très gentil, Kael, un grand merci. Et j'espère aussi y retourner, j'espère qu'ils me réinviteront. Voilà. Je ne sais pas quoi dire, si ce n'est, c'est magnifique. Et j'aime beaucoup la vision de Rombots d'aventure parce qu'il a une vision, il a une vision bien à lui, qui est que nos personnages ne sont pas comme nous, on les joue réellement. Donc c'est pas du médiéval fantastique. C'est un côté très steampunk. Donc voilà, il y a un côté très steampunk avec des couleurs un peu, je sais pas comment dire, un peu plus flashy peut-être. Et avec nos visages à nous, où il a fait une fusion, où c'est nos têtes dans le corps de nos personnages sur une vision steampunk. Et j'aime beaucoup parce qu'il a pris des libertés et je trouve que ça rend extrêmement bien. Je suis pas en train de dire qu'Aventure devrait ressembler à ça, pas du tout. Mais par contre, j'aime beaucoup de voir des libertés dans justement, dans le, comment ça s'appelle, bah dans tout le paysage d'Aventure et de voir des gens qui ont un côté créatif si prononcé. Qui nous font des fanarts de cette qualité, quoi. J'ai demandé pour que vous soyez réinvités l'année prochaine, nous dit Megatron, tout. Ah bah j'espère. En fait, ce que Rombot t'a pas dit, Crane, c'est qu'il y a une caméra et un micro pour t'espionner. Ah mon dieu. Moi qui l'ai prise avec moi, qui l'ai mise dans la salle de bain quand j'ai pris ma douche. Et qui la prend à chaque fois que je vais aux toilettes. On est mal. Le subgoal, il n'est pas censé baisser quand tu reçois un tips, Crane, parce que depuis un moment, ça ne descend pas. Mais non, ça n'a rien à voir. Le subgoal, en fait, c'est les abonnés de la chaîne. C'est le nombre de personnes qui soutiennent la chaîne par un abonnement mensuel, en fait. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout un goal de don. Rien à voir. Et oui, il faut l'avoir vu sur le live de Crane samedi. Exactement. Eh bien, bonsoir, Tiesa Jacqueline. Comment vas-tu? Et oui, il y a plein d'autres choses. Et là, je suis en train de boire un des thés qu'on m'a offert. Donc, enfin, je ne l'ai pas encore vu. Je l'ai mis dedans. Qui est un thé vert Touareg. Voilà. En plus de ses fanarts magnifiques, il fait des sculptures sublimes. GG Rombots, oui, un grand GG. N'hésitez pas à lui faire un petit... Alors attendez, est-ce que quelqu'un a le Twitter de Rombots? Si vous avez un petit moment à perdre, je pense que ça lui ferait extrêmement plaisir et c'est pas grand-chose pour les gens qui ont l'habitude d'utiliser Twitter. Alors attendez, il est où le Twitter de Rombots? Lui faire un petit message Twitter pour dire GG pour la figurine de Grunlek. Je pense que ça lui ferait extrêmement plaisir. Donc si vous avez quelques instants à perdre, attendez, il faut que je trouve le Twitter de Rombots, parce qu'à chaque fois il y a des hauts. Hop, normalement il est là. Et il est là. Ah, il est là le Twitter. Hop.
Ah, je fais n'importe quoi. Ah, qu'est-ce qui... Ah, j'ai un cerf qui est coché. Non, je sais pas. Attendez. Bah non, pourquoi ça fait ça? J'ai un bouton qui est enfoncé d'une souris. Non, je ne sais pas. Bref. Si vous pouvez lui faire un petit coucou et lui dire GG pour ça, pour la figurine de Grunlek, bah voilà, voilà. Je pense que ça lui ferait très plaisir. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait parce qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup de talent. J'espère qu'il persévérera dans le dessin, dans tout ce côté créatif parce que pour moi, il mérite de réussir. Il mérite vraiment de réussir. J'ai une vidéo sur YouTube de toi, tu peux nous en parler, la vidéo question, et toi avec un Nunchaku. Chut, chut. Non mais je faisais beaucoup de Nunchaku passer un temps, mais de façon totalement autodidacte, hein, j'ai jamais appris nulle part. Et en fait, sur Dark Age of Camelot, j'ai rencontré quelqu'un, et son frère, je jouais avec un pote quoi, un pote de la guilde, et son frère était champion du monde de Nunchaku artistique, et je lui avais dit, bah tiens, moi aussi je fais un petit peu Nunchaku, je peux t'envoyer une vidéo pour que tu me dises si je me débrouille bien ou pas bien. Je lui ai envoyé la vidéo, et il m'a proposé de venir faire un cours avec son frère à la suite. Donc comme quoi, le MMO, hein, ça permet des choses de folie, ça permet de faire des émissions sur jeuxvideo.com, ça permet de rencontrer le champion du monde de Nunchaku artistique, ça permet plein de choses. Crane, je t'ai envoyé un message sur Twitch, le message du souvenir, j'espère que tu l'as reçu, encore très heureux d'avoir pu te voir extrémiste. In extremis, tu veux dire. Hein, tu as pu te voir extrémiste, ça fait un peu bizarre. Mais oui, ça j'arrête, on a réussi à se croiser. Et maintenant, je vais essayer de plus jamais mal prononcer ton pseudo, ça n'arrivera pas. Mais je vais essayer. J'espère que tu m'avais pas pris au sérieux pour ce que je t'ai dit samedi, je sais que... Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'était mignon comme tout. Bonsoir le chat, salut Lord Fantôme. Bon, je vous laisse, bonne soirée le chat et à bientôt, bonne soirée Mister Megafaute. Salut Valtieri. Attendez, il faut que je trouve le Twitter machin et faites-lui un GG et tu joues au Go, Crane. Je joue au Go, non, je joue pas au Go, mais j'aimerais bien apprendre. Je sais que, bah d'ailleurs, vous pouvez, en parlant de. J'aime bien mettre en avant les gens qui font du contenu que je trouve de qualité. Nous avons Atomium qui est très sensible à ce qui se passe dans l'univers du Go actuellement. Vu qu'actuellement, nous avons Lee Sedol, si je dis pas de bêtises, le champion du monde de Go, qui affronte une intelligence artificielle. Et qui est pour l'instant a perdu les trois premières manches et c'est une révolution dans l'univers du Go vu que le Go est jugé comme un jeu qui n'est pas seulement mathématique. Et donc c'est parce qu'il y a tellement de possibilités qu'en fait la lecture la réflexion et on peut aller plus loin, la philosophie, tout ça en fait quelque chose qu'on se disait ingérable par une intelligence artificielle. Et il a battu les trois premières manches, le champion du monde a perdu contre cette intelligence artificielle et il a gagné la quatrième manche. Alors il a gagné la quatrième manche, l'ordinateur a abandonné. Il a abandonné l'ordinateur sur la quatrième manche. Donc il y a cette cinquième manche qui va avoir lieu le 14, qui sera quand même assez décisive, parce que lors de la quatrième manche, il a dit « ça y est, je pense ne plus perdre contre cette intelligence artificielle ». Et s'il arrive réellement et qu'il consolide ça, ça veut dire qu'on a cru avoir fait une avancée, mais que l'humain est encore supérieur à une intelligence artificielle dans l'univers du Go. Et donc Atomium a pas mal parlé de ce sujet, vu que lui-même aime beaucoup l'univers du Go, et il a fait des vidéos dessus, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos qui parlent de Go à Atomium. C'est tout récent. Est-ce qu'il prend des commandes pour faire des figurines personnalisées? Je n'en sais rien du tout. T'as-t-on offert des Dragibus, Crane? Ça peut aller loin ce genre de friandises, tu sais. Ah, du coup, tu n'aurais pas pu ramener les bouteilles de bière que je t'ai offert. Tu les as déjà bu. Alors, il y en a que j'ai bu, j'ai pas bu grand-chose. Mais elles n'ont pas été jetées ni données. Je vais les récupérer. C'est Seb, Fred, Sorina, Aurore qui les ont ramenées parce que eux, ils pouvaient dans leur valise, vu qu'ils prenaient pas l'avion. Et ils les ramènent au Polymanga. Écoutez, Théâtre Crane portait un pantalon le samedi à l'EMIA. Et oui, Crane, il y a aussi une vidéo avec une merveilleuse cover de toi et un de tes amis. Je vois pas de quoi tu veux parler. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais chanté All By Myself avec un pote. Je n'ai pas de compte Twitter, Crane, comment je fais? Non, mais vous le faites si vous... c'est juste pour lui faire plaisir. Je dis pas que les 700 personnes ou les... Oh, on est 858, on est plein. Doivent le faire, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste que si vous voulez prendre un petit instant, bah, je sais que ça le touchera parce que c'est quelqu'un de très gentil. Et voilà, c'est tout, hein, c'est tout, ça va pas plus loin. D'ailleurs, Crane, t'as vu l'épisode de Chroma d'aujourd'hui? Non, je l'ai pas encore vu, je l'ai pas encore vu. Salut, Maniac Bird. Oui, il a gagné le quatrième, exactement. Du coup, tu avais laissé la place sur le stream de Gaming Life pour l'ultime décathlon de Nesblog. Il paraît que Crane, c'était génial et cool de ta part. C'est tout à fait normal. Déjà, là, j'étais en convention, mais c'est pas qu'une question de convention. Quand ils ont besoin de l'antenne, moi, je leur laisse sans aucun problème. Salut The Corvax. Salut Biscord. Mais non, je t'ai déjà dit. Non, je t'avais pas dit ça. Conseil cuisine pour cuisiner vegan. Ouais, il y a des petits bouquins qui sont bien. J'en ai acheté un tout simple. Parce que ne soyez pas frustrés, mais on va pas se lancer dans une discussion vegan, donc je vais juste dire ça. Ne soyez pas frustrés sur les choses que vous n'avez pas le droit de manger, mais cherchez les nouvelles choses auxquelles vous avez jamais pensé que vous pouvez manger. Vous vous rendrez compte que on mange
une quantité d'aliments très très variable, et qu'en fait il y a tellement de choses qui existent que vous pouvez modifier vos habitudes alimentaires et découvrir des aliments vraiment délicieux. Salut, qui remplaceront pas forcément, attention, mais qui seront des nouvelles expériences intéressantes. Salut Zagator, c'est quoi le Go Crane et bonjour à tous. C'est un jeu de société, on va appeler ça comme ça. Beaucoup le rapprochent de l'échec, mais c'est bien plus complexe de l'échec. Il y a toute une dimension vraiment philosophique derrière aussi très très intéressante. L'IA pour le Go, c'est pas fait par Google, j'ai vu un article passer. Je sais plus du tout, je crois que oui, Valtiri. Crane Sidol a gagné la quatrième, oui, mais je l'ai dit ça déjà. Pas le 14, le 15. Ah, c'est le 15, pardon, la cinquième manche, Nuit Kigami. En fait, Crane, la base de l'algorithme est d'utiliser du hasard total, Nuit Omega, je ne sais pas du tout. Salut Crane, salut Obux, ça fait plaisir de te voir, ça va? Oui, ça va très très bien. Jigo, bonne soirée tous, bonne soirée Crane, bonne soirée Akira Kirkland. Crane, tu as lu les mangas Ikaru no Go? Non, je les ai pas lus. Crane au Go, je bats mon ordi en difficulté maximum, l'intelligence humaine est relative. Bon, après, il met 4 heures à jouer chaque coup, ça me saoule. Yup, Red Kill. Crane, j'avais fait en sorte que celle que t'avais apportée soit fraîche, c'est dommage que tu n'aies pas pu en profiter. Mais j'en ai bu, hein. J'en ai bu à chaque fois. D'un autre côté, je comprends que tu ne veuilles pas être complètement... Non, si, j'en ai bu, je leur ai demandé d'aller me chercher un tire-bouchon, parce que c'est des grands formats, les 37.5, il y a un décapsuleur et un tire-bouchon, ils ont été m'en chercher, j'en ai bu. Donc j'ai pas pu toutes les boire, bien évidemment, parce que le but c'était pas d'être bourré à la convention. Hein. Et j'en ai donné à Seb aussi. Enfin, j'en ai donné... il en a bu avec moi. Enfin, bah c'est cool Lordaeran. Salut Estra. Salut Gatsuto. Crane, tu as encore un Nunchaku? Ouais, j'en ai encore, mais je peux plus en faire parce que dès que j'en fais, j'ai mal ici. J'ai un problème à la main, je sais pas ce que c'est et j'ai mal. Par contre Crane, vous nous mettez un choix difficile malgré tout à streamer en même temps. J'arrête pas de switcher de l'un à l'autre. Et bah fais du multi-twitch ou un soir regarde l'un, un soir regarde l'autre. Fais ce qui te correspond le plus. C'est pas incompatible. Allez là où vous avez envie d'aller. Crane, sans vouloir changer de sujet, tu as suivi un peu la révision du texte de loi. Qu'en penses-tu après m'avoir vu? Alors j'ai pas lu, donc je peux pas faire de retour là-dessus. Mais j'ai rencontré Dany, enfin j'ai re-rencontré Dany, on s'était déjà vu. On a discuté un petit peu ce week-end et on a discuté plein de choses, c'était vraiment très intéressant. Il m'a fait part aussi des avancées du projet. On a discuté même de ce dont je vous avais parlé, où certaines sont montées sur les grands chevaux en disant oui, tu reproches ci à Dany, tout ça, alors que je parlais juste de la mise en avant que le hashtag pouvait mettre et que parfois on avait du mal à juger de est-ce qu'on utilise cette mise en avant vraiment pour le projet lui-même ou pour soi. Et on a discuté complètement librement de cette façon. C'était très agréable parce qu'il est assez simple et il est calme quand on discute. C'est vraiment très très chouette. Et il m'a dit bah, c'est marrant que tu soulèves ce problème, parce que quand j'ai fait la vidéo, c'était quelque chose auquel je pensais énormément et très peu de gens l'ont soulevé. Et il s'attendait à avoir beaucoup plus de retours par rapport à ça. Il est conscient de la mise en avant que ça fait, mais il est aussi conscient que c'est utile pour l'avancée du projet. Donc moi j'ai beaucoup aimé son attitude par rapport à tout ça, c'était très sain. Salut Elmoride. Crane, je vous laisse, bonne nuit à tous, bonne nuit Lucky. Alors cette IMEA, tu t'es bien éclaté? Ouais, c'était super est. Crane, je suis allé à Naturalia aujourd'hui pour acheter des aliments inconnus et ce soir j'ai pas été déçu. Bah c'est cool Shinoblis. Crane, je suis désolé mais je crois que la machine va gagner, c'est toujours la mathématique qui gagne dans Tundikawabunga. Ah là là. Crane, les IA nous domineront tous et ce n'est qu'une question de temps, soumets-toi à Glugglubot avant qu'il ne soit trop tard. Crane, en fait le goût contient tellement de possibilités que le seul moyen était donc d'utiliser du hasard. Yop, Termiop. Crane, si c'est bien ça, apparemment Google veut se lancer dans une IA pour StarCraft. Peut-être un truc pour pouvoir affronter les meilleurs joueurs, et je le répète, j'ai juste survolé l'article en scrollant. C'est intéressant, c'est très intéressant. Crane, il y a Aube du Chaos qui vous met un lien pour du multi-switch où vous pouvez avoir ma chaîne d'affichée et vous pouvez rajouter une chaîne derrière. Tiens Crane, que penses-tu de Chroma? Franchement, c'est pas la quintessence de la vidéo web. Bon, moi j'adorais Crost, je trouve que Karim Debache et son équipe, ça font partie des gens les plus créatifs. Je suis fan, je suis vraiment très très fan. Donc je suis très content qu'ils aient eu autant de succès et j'espère qu'ils nous apporteront un maximum de contenu. Tu nous fais du rhumatisme avant l'âge, Crane, peut-être. Crane, Siran te trompe avec Maillard. Eh ben, ce sont des choses qui arrivent. Bonsoir, c'est Lenchen, je viens de rentrer. Non, allez où vous voulez, quand vous voulez, switchez de l'un à l'autre, allez voir plus l'un que l'autre, faites ce que vous voulez, faites ce qui vous fait vous sentir le mieux. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Crane, le gauche changera ta vision de la vie, Nuki Gami.